Qu'est-ce qui te met de bonne humeur aujourd'hui donc pour cet enregistrement de review? C'est qu'on va aller dans un jeu complètement disruptif. Il fallait que je casse ce mot absolument. Ce jeu disruptif est sorti en septembre, très très discrètement. On va se mettre les icônes de musique, je suis sur la machine de luxe, j'en profite. Vous êtes quoi? Et donc il est sorti discrètement en septembre et je crois qu'il a eu beaucoup de succès. Pourquoi? Bah déjà pour son apparence qui est vraiment particulière. Alors si vous avez du... Bah, si vous avez des... Prenez-en. Prenez-en. Parce que je vous emmène dans un soft qui a l'image de ce que va être le gouvernement français en 2021. C'est-à-dire on va tous retrousser nos manches et se relever comme un seul homme pour supporter ce pays à bout de bras, ce pays qui nous aura pas sauvés en 2020, bien au contraire, qui nous aura contaminés. Mais on va quand même le sauver parce qu'on n'est pas aussi ordurier que les gens au gouvernement et ces gros entrepreneurs qui se foutent de notre gueule. Ils aiment bien toucher des fonds. Et virer des gens. C'est important de tout mettre dans la phrase, quoi. New life. Oui, monsieur Kak connaît ses classiques. Alors attention, hein, éloignez les enfants et les vieux, ce jeu a une sauvegarde automatique. Going Under, donc, vous voilà projeté dans le rôle du stagiaire, ce fameux stagiaire mal aimé, mal supporté. Et fais-moi un café, tiens, d'ailleurs. Ah oui, il a fini les photocopes, faut l'occuper le stagiaire, c'est pour ça qu'on l'aime pas en général, parce qu'il est tout le temps dans vos pattes à vous faire chier alors que vous êtes en train de bosser, enfin, en regardant les résultats du Quartet Quintet Plus sur Internet, et... Il arrive au milieu, ce qui est gênant, et qui pourrait être encore plus gênant que si vous regardez un simple porno au boulot. Je m'égare. Non, c'est réaliste. Nouvelle partie. Oh yeah. Welcome to the beautiful city of Neo Cascadia. Did you have a nice monorail ride? Ouais, j'ai bien voyagé de mon petit village de Venavé-le-Bas. Oh, je vais en fait utile à la société. Oui, un état-nation, un état-nation entreprise en général on dit. Like so many Neo-Cascadian success stories, Cubicle began as a startup. Just a couple guys in a garage with nothing but a dream and a... Ça, c'est Jackie. Et Jackie, c'est moi. Alors j'avais prévenu pour les graphismes, c'est très particulier, c'est super coloré. Faut pas chercher. Mais on n'est pas venu là pour ça. Puisque, est-ce que je vous ai dit... Ce qui allait se passer sur la partie en réellement? Non, pas encore. Vous êtes curieux, vous aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, le sous-sol dans les entreprises, rappelez-vous de Ethic Road. Oui, c'est là qu'on les met tous. Mais pire encore peut arriver. Moi, une entreprise où on me demande d'arriver et de tuer quelqu'un, c'est pas pour me déplaire. Surtout s'il y a des frigos ou carrément un congèle. Oui, parce que je vous l'ai toujours pas dit, mais en fait, il se trouve que ce jeu, c'est un dungeon crawler, tout simplement. Mais dans l'univers des startups. Ça, c'est moi. Et je vais regarder autour de moi, je vous le dis. Regardez. Je peux bouger ma caméra avec l'autre stick et je peux essayer de repérer ce... Oh, regardez-le, il a l'air très menaçant. Mais comment vais-je pouvoir le tuer? En lui crachant à la gueule? Non, je peux ramasser absolument tous les objets qui traînent et m'en servir comme d'une arme. Oui, car j'ai beau être stagiaire, la formation dans une ferme de Volnavé-le-Haut m'a déjà permis de m'apprendre à me servir de différents outils de la ferme. Eh oui. Faut le savoir. Comme ce PC, qui sera parfait pour... Ah, je l'ai raté. Ce truc. D'accord, j'ai une roulade. J'ai un truc pour lâcher mon objet, et j'ai une attaque qui est complètement con avec ce balou, c'est moi. Viens là, toi. Viens là. Et voilà. Elle est pas belle, la vie de stagiaire?
En général, les problèmes on te les file hein, quand t'arrives. C'est tout ce que les autres veulent pas faire. Ils font non, mais moi je suis payé, tu vois, j'ai trop de valeur. Oui, tout de suite, la pression du boss, enfin du supérieur, hein, parce que ça c'est un gougnafier comme tous les autres. Bon, ça aurait pu être une faveur sexuelle, hein, comme certains élus, mais tout n'est pas possible dans les jeux quand même. Il y a des enfants qui regardent, faut y penser. Je vais regarder si je peux prendre d'autres armes du coup. Oui, on va se balader un petit peu, hein, visiter. Qu'est-ce que je peux? Un PC, c'est une arme. Ok. Ok. Et comment j'ai fait pour jeter? Ah. Non, ça c'était ma roulade. Donc je tape avec une touche et je peux. Je peux sûrement jeter ce truc. Mais on le verra plus tard parce qu'apparemment j'ai pas trouvé la bonne touche. Je suis pas encore au point, les gars. Ah, ça y est, c'était la gâchette de gauche. Ok, donc on peut tout prendre et tout utiliser comme arme. Je pense qu'il doit y avoir différents coefs de les chaises. Non, pas les chaises, bizarre. Différents coefs de violence et de dégâts infligés selon ce qu'on utilise. Raison pour laquelle il faudrait que je trouve un BFG 9000 tout de suite. Joblin. Oh, d'accord, les armes, c'est ça. C'est une arme, ça. Méchant, 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 méchant! Pourquoi je t'ai cassé, zut? Il y aurait une durée de vie sur les armes. On me cache des trucs, on me ment. Bah, la tasse, franchement, ça va pas faire trop de dégâts. Hein. Ça, par contre, j'ai une idée de comment m'en servir. Oh putain, je vais le prendre. Yo, les collègues, j'arrive, c'est moi. Je suis la nouvelle stagiaire. Left trigger, visée. Oui, il est visé, effectivement. Mais j'ai paumé mon arme. Oula, roulade, oula, roulade. D'accord, ça va pas se passer si bien. Oh zut, j'ai cassé le PC, quel dommage. Et je récupère des dollars. Et je peux casser les plantes en pot. Oh, c'est génial. Je vais anéantir toutes les plantes vertes dans cette Startup Nation. Je peux pas prendre la table, mais je peux la cogner. Regardez-moi ça, elle se déforme sous mes impacts ultra-violents de ballons gonflables. De poupées gonflantes, faut voir. Oh putain, je peux prendre la télé. Oui, on va s'entraîner à être colère, croyez-moi. J'ai juste pas les commandes dans la tête, mais on va y arriver. Une balle de ping-pong, qu'est-ce que tu veux faire du mal avec une balle de ping-pong, sérieux? Oui, la roulade, j'ai vu, ça c'est un truc que j'ai repéré. On n'en aura pas eu besoin, les amis, et ça c'est chouette. Ah, le rituel du café, en entreprise. Je viens de cramer. J'aurais jamais dû faire ça, ok. Il faut se servir des trucs de café pour faire de la misère aux autres, pas à soi-même. Je le note, j'en prends très très bonne note. Oh, regardez ce qui est par terre. Je peux pas, ok. Prenez des compétences pour augmenter votre puissance. Donc ça respecte totalement les règles du dungeon crawler. Hein. Et je peux choisir entre eux. Ouvrir des caisses vous donne plus d'argent. C'est pas top hein, quand même. J'ai pris ça parce que je suis peintre aujourd'hui, mais. Non, ton balai, tu peux te le mettre. Je vais pas le dire. C'est tellement évident des fois. C'est ça, venez, bande de nazes. Left, right. Je peux avoir deux armes en même temps, si ça c'est pas la joie. Et l'opulence à la fois peut-être. Oh les nazes. Je peux avoir deux armes en même temps, vous étiez au courant, vous auriez pu me le dire avant. Est-ce que je dois ramasser des trucs par terre? Masse d'os, il n'y a rien en bonus. C'est chelou quand même. Oui j'en profite. Oh une arbalavouette. On va garder ça pour plus tard. Jetez prudemment vos objets à distance. Merde, j'ai oublié de taper sur la gueule du coup. Oh, je vais pas faire long feu. Oula.
Mine de rien, c'est pas si évident que ça selon les armes. Oh, c'est un double combo, ça, les gars. Ouh. Ouh. Y a pas de bonus, c'est bizarre. Avec un ballon de yoga, je pense que je vais faire des dégâts. Alors, viser, left trigger. Tirer. Tirer. Non, ça s'est tapé. J'essaie de me mettre ces commandes dans la tête. Ah bah, c'est juste relâcher, tout simplement. Cette raquette de ping-pong va faire mal. J'ai fait me reprendre, dites donc. Ça me plaît beaucoup, quand même. Et j'ai une expérience à faire. Ok, doc. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Wouh! Wouh! C'est le merdier! Il me reste que juste un demi-petit cœur, c'est ça que vous avez vu en haut de l'écran, vous? Ah, moi j'ai pas vu ça. Oh, ce couteau en plastique va être mortel. Alors, je peux swapper avec laquelle déjà? Ouais, celle-là. C'est cool. On va comprendre petit à petit, les amis, on va comprendre, je vous le dis. Parce que je garde ce cactus tout à fait merdique. Non, il a pas l'air top. Hein. Et j'ai mon épée de l'autre. Ok, ça a l'air pas mal, ça. Salut les... Ah, je vous dérange en pleine part. En remise de prix. Ah oui, c'est la réunion dans les toilettes. C'est le club de Fonzie, en fait. Si tu sens quelque chose, c'est normal. Oui, la mort, cette chose inéluctable qui nous arrive un jour ou l'autre à tous, elle existe également dans ce jeu. Je vais donc redémarrer du début. Ah, oh, purée, une réunion de collègues, je supporte pas. Tout le temps des réunions pour savoir ce qu'on pourrait dire à la prochaine réunion, mais surtout pas parler de sujets actuels et intéressants. Oui, ils font déjà des private jokes devant le stagiaire. Le stagiaire, c'est un peu l'équivalent du mobilier pour une start-up. Elle me rappelle, oui, forcément Scott Pilgrim. Ah oui, cette boisson quand même, vous avez eu le temps de le lire peut-être, mais c'est une boisson miracle apparemment, puisque elle remplace et le déjeuner, et le petit déjeuner, et le dîner, et tout ça avec une boisson. Bon, on pourrait faire pareil avec du béton et 2-3 cerises, mais on le fait parce que... on le fait parce que... Ah, pour rendre le monde meilleur, bien entendu! Alors c'est assez réaliste hein, comme simulation mine de rien, puisque oui, ce sont que des pingres qui se font des coups de pute dans le dos. Donc ça fait vraiment entreprise. Salut. Non, non, c'était trop compliqué. Thank you.
Ok, il faut vraiment que je désinfecte ce donjon pour avoir accès aux autres trucs. C'est dommage. On va visiter un peu, hein, tant qu'à être là. Il n'y a même pas une salle de gym. Elle est pourrie, cette start-up. Ah, ça, c'est le bureau du boss. Je vais piquer sa babasse, quand même. Oui, c'est toujours important de foutre le bordel en douce. Puis de dire... Ah, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est pas normal. Ça m'a fait plaisir. Borne des employés, qu'est-ce que c'est? Tuteur. Oh, tiens, tuteur désigné. Choisir un tuteur. Bah, je vais prendre elle. Oh, vous avez des compétences pour vous améliorer, mais alors il va falloir les débloquer et je n'ai aucune idée de comment pour l'instant. Mon CV. Atteindre le dernier étage de Joblin. Vaincre le boss. Bon, bah, on y retourne, les amis, hein. Comptez sur moi pour pas être bon. Bon, on a eu que les cactus, ça a beau avoir une forme rigolote. C'est pas ça. J'ai droit à deux trucs. Ok, on y va avec ça. Ah. En avant le carnage. Yaha! Ta 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 ta. Je sais pas ce que ça fait si je tire sur ce truc là. Ça là. C'est pas un baril qui explose. Ok, je le prends quand même. Oh, c'est lourd. Je vais improviser autre chose après, hein. Faudra pas m'en vouloir. Ah, la graffeuse, ils ont aucune chance. Bon, ça prend du temps, mais qu'est-ce qu'elle marche bien, cette graffeuse. Ah, j'étais pas en face. Non, 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 non! J'étais prêt à le finir, hein, s'il fallait. Regardez le petit fourbe, là. Lui, c'est un sous-chef, lui. C'est obligé, il a toute la fourbitude du sous-chef. Ouh, je suis où là? Match à mort! La musique est terrible. Vas-y gros. Ah, il m'a tiré un truc quand même mortel dessus. Cadeau? Oh. Oh, ça me convient. Ça me convient parfaitement, les amis. Oh, il y a même un shop. J'ai la version junior, ça me va déjà. C'est cher. Je pourrais prendre un job witch, mais j'ai pas assez de monnaie. Si. Chouing. Ça m'a rien remonté, les gars. Ça m'a remonté. On y va. Oui, je vais être tenace. Mortellement tenace. Alors le jeu est quand même super marrant parce qu'il fallait oser prendre ces designs très...
putain, le petit ténio, c'est une horreur. Elle est très bien, cette masse. Je vous la recommande chaudement. Oh, un gourdin à pointe, ça se tente. On s'est mis un réceptacle de cœur vide. Oh, on va prendre ça, hein. Je suis pas très bon. Ah, j'ai le niveau de vie de mon arme qui s'alerte en clignotant en bas à gauche. C'est bon à noter ça. On va prendre ce gourdin, parce qu'avec un gourdin, on se sent toujours bien. Oui, les dictons TBG, c'est anthologique. Qu'il était colère. Ça, c'était une grosse colère. Ouais, c'est ça. T'as vu ce que j'ai dans les mains, Buddy? Alors, tu me la fais pas. Tu vas m'appeler Mademoiselle avec un M majuscule. Avant que je ne... Ouf, je voulais pas savoir, je crois. Ouh, une toute neuve. Je vais finir ma entamée et... bizarre qu'il y ait personne. Hop là. Oui, je prévois les ennuis un peu plus gros. Oh putain. Lui, il va me gonfler, lui. C'était absolument n'importe quoi, mais fallait que je le tente. What is it? Tous les objets que vous jetez iront droit sur leur cible. Ça ne se refuse pas, mes amis. Chewing. Qu'est-ce que je prends comme arme pour le prochain niveau? Bah, je vais reprendre mon ancien gourdin qui a l'air un peu fatigué, mais... S'il fait le taf, why not? Ouh! On va pas être trop gourmand quand même. Joblin, overdose de café. Accordage des guitares. Je pourrais prendre une voix encore plus grave, mais je vais pas le faire ce soir. You. Un nouveau job? Mais oui, c'est pour moi. Envoyez les couillons là. Ah! J'ai plus d'armes. Je me suis fait laté. Je vais me faire enculer encore, ça va pas rater. Ça veut dire que j'ai fait un tiers de ce donjon. C'est pas gagné, comme on dit dans le métier. Encourage-moi à créer une licorne. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Je vais parler avec cet ami qui me veut du bien. Salut, ami qui me veut du bien. T'es pas plus éloquente que ça. Tant que j'aurai pas fini ma mission, je pense, des sous-sols, faut pas trop que je rêve. À une activité plus... passionnante. Faut pas déranger les gens là-bas. C'est des figurants, mais faut pas les déranger quand même. Yo! J'ai évité de perdre des cœurs au début déjà, ça serait une bonne chose. Hein? J'aurais l'air moins cake. Oui, j'ai repéré là-haut. J'arrive pas à la voir. Hé hey. J'arrive pas à la voir, bordel. Salut, gourdin. Quand t'as un gourdin, tout va bien.
Je vais où? C'est sortir ça? Non. Ouais. Yo, j'ai un gourdin. Tu veux le voir? Salut, bande de naze. L'autre, il s'est pété tout seul comme un cake. Je vais tout massacrer dans cette piole. Il est joli ce sextoy. Ah, on n'est pas dans Cyberpunk, désolé, c'est pas un sextoy. C'est un Fractus XL. Vous retiendrez le nom? Mon gourdin va bien? Ok, on y va. Autant d'armes, c'est qu'il va y avoir un problème là. Oh, la teigne! Viens avec moi, toi. Oh, y a mon cactus qui est en train de crever. Je me suis kaboum pour une épée. Je savais que ces tonneaux pèteraient à un moment. Dans tous les jeux, il y a des tonneaux qui pètent. Ah! Je veux cette gratte. Je vais faire un massacre avec le fait Stratocafter. Attends, je vais changer avec le truc de ping-pong pour casser ça. Ça l'usera pas. Qu'est-ce que fait? Ok, alors. Chewing! Et on y va avec la strato, ça va fumer, les amis, je vous le dis en vérité. Alors, j'avais pas fait gaffe depuis le début du jeu. Il y a une map en haut à droite, je crois. Oui, c'est bien ça. Alors, je garde ma strato, je suis bien là. Envoyez les nazes. Elle cogne la strato, elle cogne. Regardez le fond. Ah ouais, non, mais j'ai toujours su jouer de la strato comme ça, hein, les amis, vous pouvez me croire. Je suis un godlike de la strato. On va y aller en bagnole dans la prochaine salle si je peux. Oh non non non, j'ai repéré un truc. Vous voyez ce que j'ai repéré? Ça fait de la fête les amis, ça fait de la fiesta. Coucou. Quoi? Oui, 5 heures gaspillées, ça, je suis déçu. Amenez-vous, bande de nains. C'est ça, j'ai peur de rien, moi. Il en reste? Oh, ah, ah. Oui, il faut que je me méfie du café, c'est fourbe. C'est traître, c'est pas sympa. Ougle. Alors, qu'est-ce qu'on aurait de sympa? C'est quoi ça, un job witch? Non, pas ça. Not this one. Ah, d'accord, je me remonte la santé avec ça, il fallait le dire, c'était pas écrit dessus, un job witch. Ça n'a pas d'évidence réellement. Je peux prendre ça comme arme? Ouh, ça va être méchant. Très long? Oui, mais... Ai-je besoin de la vitesse là où je vais? Ougle! Oui, je dis ougle. Souvent, je dis ougle. Puisque je suis méchant. Ça marche pas terrible, ça. Hein. Ouf. Ça non plus. Ah, bordel de... Il me faut de la life. Il me faut de la life, les amaches. Sinon, je vais être... Je vais faire un nervous breakdown. Ah, on peut foutre le feu, ça, c'est pas mal.
ça lui fait que dalle au truc là, il s'en fout. Faudrait que j'apprenne à reconnaître les symboles, ça c'est des méchants sûrement, et ça c'est encore plus méchant. Bah, je prends. Pas avec le balai par contre. What's happening there? Ah, c'est pour descendre au niveau suivant, mais ils vont pas me laisser descendre comme ça les gars. Je respecte un petit peu. Si? Non. Oh le bordel! Bouge, bouge, bouge! Alors je peux ramasser les grenades, mais ça me semble risqué quand même. Oh, je hargue et je quick! Et on se retrouvera dans de nouvelles aventures dans ce dungeon crawler improbable au pays des startups. Où je vous promets que je vais être le stagiaire. Le pire. Voilà, c'était Going Under, ce dungeon crawler assez improbable, avec des couleurs complètement psychiques et des persos qui ne le sont pas moins. Des armes, je vais éviter de m'étaler dessus, qui vous emmène en fait régler vos comptes avec la société, au pays des startups, en mode exploration de donjons dans lequel vous allez tout éradiquer, absolument. Rien que pour ça, c'est agréable. Essayez-le à l'occasion si vous tombez dessus. C'est un jeu qui peut être marrant à petit prix. Oui, on peut le recommander. Allez, playlist, bouton d'abonnement. Et une photo de Jean-Michel Jarre, tiens.